Je sais ça. Je sais ça parce que quand on était à Kigali, quand laisse-moi te dire que ces gens, moi j'ai remarqué qu'ils étaient mauvais. Laisse-moi te dire un petit truc qui va te surprendre et peut-être te choquer. On était au CND. Un jour, on nous a dit de partir lancer des grenades dans le restaurant chez Rando. Chez Rando, c'était un restaurant de Tutsi. Rando Ndasingwa, il avait une femme canadienne, je pense que tu le sais. Et puis, il était ministre dans le gouvernement de l'époque. Il était président du Parti libéral, la branche qui n'était pas de Hutu. Alors, quand on nous a envoyés là-bas, moi j'ai dit à ces gens, non, mais c'est les gens qui s'asseyent là-bas, les gens qui viennent manger ici, ce sont des Tutsis. Pourquoi vous voulez qu'on lance des grenades là-bas? Pourquoi on ne peut pas lancer des grenades ailleurs? Mais ils m'ont fait comprendre qu'on devait le faire parce que c'est être attribué à Yaribana. Nous sommes partis là-bas, nous l'avons fait, j'ai été choqué. Je n'ai pas parlé pendant jours parce que j'étais choqué. Parce que j'étais parti avec un certain Charles, il est mort maintenant. J'étais parti avec un certain Moyeto, il est toujours là. On a attribué des trucs, tu vois, en 1994, quand on attribue des trucs de grenade, de Niamoubobo, de l'Emeralo, comme on appelle la gare routière, j'ai des précisions, j'ai des dates, quand ces jours, les choses ont été faites. Ils ont été préparés en attribuant ça au régime de Tigali de l'époque. Ce n'est pas vrai. C'était fait par les Iraniens, ça ciblait les Tutsis pour que on dise que Abdelmana est en train de tuer les Tutsis, alors que ce n'était pas lui qui le faisait. C'était une raison. Alors, ça te montre que ces gens, ils avaient un plan. Donc, les gens disent être dans un processus de paix et ils veulent. Mais dans l'entretemps, ils organisent les tueries. Ils organisent les massacres, les tueries des Hutus systématiques. Ils envoient des commandos, ils envoient. Je sais comment ça faisait dans les zones en bleu. Je sais les gens qui le faisaient. Et je sais comment c'était programmé. Je sais comment ils obtenaient des armes. Et comment ces armes leur allaient. Tout ça, des trucs que moi, je sais parce que. J'avais l'âge de le voir, j'étais parmi les techniciens, j'étais entraîné pour ce genre de trucs. Mais quand on nous a dit de rejoindre les CERA de Tigali, de 600, nous on ne savait pas que l'objectif était de commettre des atrocités comme ça.